Salut, c'est Kaliana et on continue sur Assassin's Creed Origins, le DLC. Mais avant de continuer, j'aimerais poser une question. Qu'est-ce que les créateurs d'Assassin's Creed, donc Ubisoft, ont fumé? Sérieusement, pour nous sortir ça. C'est un dromalicorne, voilà. Non, sérieusement. Voilà. C'est un limadaire, voilà. Donc c'est le pack. Ils ont sorti un espèce de pack foufou. Donc vous avez la licorne. Enfin le dromadaire licorne. Vous avez un espadon. Donc voilà, je vais vous le montrer. Donc ça vous baisse votre vie, hein. Voilà, vous vous battez avec un poisson. Et il vous reste une barre de vie. Vous avez aussi. Attendez, où est-ce qu'elle est? Vous avez la masse lourde qui est un chat momifié. Voilà. Vous vous battez avec un chat. Un petit chat momifié. Oh, vas-y, sors là. Voilà. Rip le chat momifié. Et vous avez aussi la meilleure arme, hein, je suis sûre. Vous serez d'accord avec moi. Où est-ce qu'elle est? Elle est. Là, voilà. Un magnifique coton-tige. Donc, qui est une lance. Hein. Donc, voilà. Si vos ennemis ont les oreilles sales, hein, vous savez quelle arme utiliser. Je vais reprendre. Mon épée, voilà, celle-là. Et je vais reprendre mon cheval aussi parce que cette licorne fait quand même très très moche. Où elle va? Regardez, elle fait des petits sillons. Je sais pas si je peux vous les montrer. Voilà, des petits sillons de couleur. Bon, je vais reprendre mon cheval. Hein. Il est quand même plus classe. Parce qu'il est. Ben voilà. Ah oui, j'ai celui-là aussi. Je vais pas montrer celui-là. Voilà, qui est très très classe aussi. Donc celui-là, c'est un autre pack. Vous avez le cheval, vous avez le bouclier, là. Vous avez un arc aussi, qui est celui-là, voilà. Frappe foudroyante. Vous avez des armes aussi. Vous avez. Ah, c'est pas celle-là. Ouais, vous avez les doubles dagues. Alors moi je m'en sers pas des doubles dagues. Vous avez la masse. Et ça. Non, c'est pas ça. Non, c'est tout. Voilà. Je reprends mon cheval. Voilà. Donc on va continuer la quête, on en était à. Soleil couchant, voilà. Donc on est aux pyramides d'Amenès et on recherche le maçon de Rufio. On va rejoindre Gamilad près de la pyramide. Je n'arrive pas à croire qu'on déplace cette pyramide. Pourquoi faire une telle chose? Les mecs, ils déplacent quand même une pyramide entière.
right position. Whoa. Whoa. Si je ne trouve pas ces éclats d'étoiles, les espoirs de la bataille et ceux de l'Égypte seront écrasés. Bayek, notre héros. Tu tombes à pic. Nous préparons une attaque contre Ptahmose, le maçon de Rufio. Ah, il a ordonné ce pillage. Oui. Le temple aura bientôt disparu, la pyramide aussi. Aux yeux de Ptahmose, l'Égypte n'est rien. Il emploie des Nabatéens pour mener à bien le sale travail que Rufio lui a confié. C'est un Weka sans âme. S'il le pouvait, il ferait d'Amon l'esclave de Rome. La population a besoin de monuments et de lieux sacrés. S'ils disparaissent, le peuple ne s'en relèvera jamais. Ne t'inquiète pas, ce Ptahmose marchera bientôt parmi les morts. Allons trouver ce Ptahmose. C'est notre meilleure chance de le tuer. Il est loin de son campement. Nous devons agir. Si nous l'éliminons, nous deviendrons des légendes. Je serai à tes côtés. Compte sur moi. Chut, silence, ne t'énerve pas. Non, non, mais moi j'y vais toute seule. Il y a des chiens de Romains tout autour de la pyramide. Attaque à vue par ici. Ah, il n'est pas là. Nek! Gamilat! Ah, je vais bien. Il y a un passage secret en bas. Ah. Rejoignons vite le héros. Gamilat, t'es toujours vivant?
Un pharaon a dû être enterré ici. Une chambre secrète de nos ancêtres. N'est-ce pas magnifique? Si nous trouvons des trésors, ils financeront notre cause. Nous ferions mieux de ressortir. Et de trouver Ptahmose. Bah tu vois, Gamilat, lui, il a tout compris. Faut prendre l'argent. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils construisaient ici? Nous allons devoir trouver un passage. Que sais-tu de cette pyramide? Un projet malheureux de Taharqa, en l'honneur du pharaon Amenmes. La légende raconte qu'une pierre sacrée est tombée du ciel. Taharqa, on l'aurait béni pour un point. Il serait à l'intérieur de la pyramide. Ce que j'aimerais les trouver. Aga nous les appelle les éclats d'étoiles. On raconte qu'une lame taillée dans un de ces fragments accorde un grand pouvoir. J'adorerais voir une telle arme entre tes mains, Bayek. Les Romains ne doivent pas trouver ces éclats. Non, il veut pas le laisser tomber. Reste sur cette plateforme, pendant que je cherche comment la déplacer. Ah, faut la déplacer pour lui. Et ça, il peut pas le monter, ça. Mmh.
Pourquoi elle descend pas plus bas? Tu bouges pas, j'arrive. D'accord, je suis prêt. Par les dieux, ça marche. Je me lève comme le soleil. J'y suis presque. J'ai rejoint la sortie. Merci au toit, celui qu'on ne voit pas. Il y a des serpents partout. C'est un serpent qui a tué mon père. Courage, Seigneur. Ces serpents me rappellent Apep. J'ai déjà affronté Apep. Ah, alors lui, il dégage. Allez, dégage. Franchement, les serpents, je les avais pas vus. Hein. C'est pas un problème. Tamoz est au service de Rome? Oui. Et je suis sûr qu'il travaille aussi pour Cléopâtre. Rufio est un général de Marc-Antoine. Et tous obéissent à ce couple sanguinaire. Aucun n'est digne de confiance. Elle est la souveraine légitime. Sa dynastie est aussi la nôtre. Beaucoup de Nabatéens croient en elle. Moi aussi. J'aimerais la rencontrer avant de me prononcer. Voir sa prétendue divinité. Toi, tu l'as vue, non? Oui. Elle sait toucher le cœur de ses sujets. Mais sa dynastie n'est que poussière et trahison. Amunet l'a percée à jour. On dit qu'elle a redonné sa grandeur à Alexandrie. Ah, mec. La grandeur n'a jamais été une fin en soi. Tu as tort. Reste sur la plateforme. Je vais la faire monter. Thank you.
Mayek, je crois que j'ai trouvé les éclats d'étoiles.